Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on vous propose ce matin, comme ça, une séance d'étirement. D'accord ? Et on va également travailler sur cette séance d'étirement, la respiration, pour se détendre encore plus et pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Allez, c'est parti ! Donc, première position, on va garder les jambes bien droites. Et on va simplement enrouler le dos, laisser pendre les bras vers le sol. Et on va souffler pour essayer d'aller le plus loin possible. On doit ressentir un étirement ici, derrière la jambe, au niveau des fessiers, au niveau du bas du dos. Le tout, c'est de ressentir un étirement et non pas une douleur. Et on va fléchir les genoux et se redresser progressivement. Deuxième position ce matin, toujours étirement de la chaîne postérieure. On va d'abord croiser les deux pieds. Donc on va être quand même un petit peu en instabilité. On fait travailler la proprioception et on va venir ici tout doucement dérouler le dos. Et rester dans cette position d'étirement. On doit ressentir un petit peu l'étirement derrière et sur le côté de la jambe. Respirez bien. Puis, on se redresse progressivement. On va changer de côté. On va croiser de l'autre côté pour cette troisième position. Ici, je croise mes deux jambes et c'est parti. J'enroule tout doucement vers le sol. Je maintiens la position quelques secondes et je souffle et j'essaye de me relâcher, d'aller plus loin dans l'étirement. Déroule tout doucement le dos. Très bien, on a bien étiré la chaîne postérieure. On va se charger de la chaîne antérieure et des quadriceps. Quatrième position, je viens ici chercher mon pied. Je garde ma jambe dans l'alignement. J'absorbe mon nombril. Si c'est dur, on peut appuyer son pied contre une chaise. D'accord, et chercher à se rapprocher. Allez, c'est parti. On va aussi faire travailler un petit peu l'équilibre. Se réveiller un peu comme ça le matin, dans une petite routine d'étirement, de respiration, mais aussi faire un petit travail de proprioception. C'est parfait pour démarrer la journée, mais aussi pour la finir. Allez, on change de l'autre côté. Le tout ici, c'est de rentrer le ventre pour ressentir encore plus l'étirement et de bien garder la jambe dans son axe. Super. On va continuer avec le haut du corps. Et on va venir ici étirer les bras. On l'a déjà vu ensemble. On va lever un coude ici, le laisser bien haut. Et chercher avec l'autre main à étirer un petit peu plus. Pour venir tirer ici tout le long du triceps. On se grandit bien. Et même chose, on profite de ce moment pour soi. Pour inspirer. Et souffler. Se concentrer sur sa respiration. Et on va relâcher tout doucement le bras. Et on est parti pour l'autre bras. Donc je lève bien et je viens le chercher. Je me centre sur ma respiration. Je t'ai vu, j'imagine la suite. Je t'ai vu, j'ai compris tout de suite. Trop envie que je ferais le premier pas. Yeah. T'es toujours sur la défensive.
et on va relâcher tout doucement. On se dit à bientôt, à demain pour une prochaine vidéo.